Alors là, avec grand plaisir. Et pour aujourd'hui, je vais vous montrer les livres sur le thème du corps humain. Si tu débutes sur ce thème-là, je te recommande ce livre, 12 leçons pour apprendre à dessiner le corps humain. Il explique bien, il est plutôt complet et en plus, il coûte pas cher. C'est pas celui que j'ai le plus utilisé et ce n'est pas mon préféré, mais je vous le recommande quand même. En parlant de livres préférés, je vais enfin pouvoir vous parler des morphos. Et pour commencer, je te recommande de prendre celui-ci, Anatomie artistique. Ceci dit, après, ça dépend des gens. Je pense que les morphos, c'est bien de l'utiliser quand t'as déjà une petite base de connaissances. S'ajoute à celui-ci ce que j'appelle les petits DLC morphos. C'est des petits bonus qui viennent s'ajouter au livre de base sur des thèmes beaucoup plus spécifiques et ils sont beaucoup moins cher. Si tu veux ajouter plus de connaissances et plus de vocabulaire, je te conseille ce livre-là. Perso, quand j'ai besoin de savoir le nom d'un muscle ou d'un os, c'est ce livre-là que j'utilise en général. Ok, un autre de mes livres préférés, c'est celui-ci, Anatomie pour l'artiste. Il coûte un peu plus cher, mais il est giga complet. J'adore la manière dont les choses sont expliquées dans ce livre. Voilà les livres que perso je recommande sur ce thème-là. Après, il faut savoir que le corps humain, c'est vraiment mon thème préféré. Ça fascine au point que j'ai toujours besoin de pousser un peu plus mes recherches. Je peux pas juste dessiner un bras. Il faut que je comprenne comment il fonctionne. Il faut que je sache le nom de chaque muscle. Enfin bref, j'espère que ça aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.